Cette année a été un bordel! Je suppose que tout le monde a mérité un peu de vacances. Asseyez-vous avec moi un instant. On est bien, non? Dans... mon intérieur. Ouais, j'ai plus vraiment d'argent pour partir en vacances. J'ai tout dépensé en cocaïne, élément hautement indispensable à ma survie. Je suppose que je pourrais sortir dehors pour faire autre chose que respirer mon propre CO2, mais ça impliquerait que je sois sobre pendant plus de 20 minutes et... je ne suis pas sûre d'être en capacité de fournir un effort pareil. Après, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous parlerai volontiers de cinéma, mais les seuls trucs que j'ai vus ces derniers temps, c'est des hentai doublés en allemand. Oh. Des préjugés les plus persistants à l'égard du cinéma d'animation est de le considérer comme destiné à un public jeune. La faute sans doute à une reconnaissance économique plus facilement donnée aux œuvres destinées à un public familial et à la présence massive d'œuvres d'animation dans le paysage culturel destiné à la jeunesse. Mais tout comme les blockbusters ne composent pas l'intégralité du paysage cinématographique de divertissement, le cinéma d'animation pour enfants ne compose pas l'intégralité du paysage de l'animation. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde de Julia! Le monde de l'animation pour adultes n'est même pas particulièrement récent. Si aujourd'hui les dessins animés de Tex Avery sont infantilisés, jamais le dessinateur ne pensait ses œuvres pour un public jeune. Au-delà des gags visuels, ses cartoons se voulaient corrosifs et provocateurs, n'hésitant pas à faire de nombreuses allusions sexuelles et politiques. A real sharp curly curly boy. Et voilà, j'ai fait ma petite présentation bateau de n'importe quelle vidéo qui parle d'animation, j'ai gagné une gommette de culture. Dire que l'animation n'est pas nécessairement réservée à un public jeune est un des propos les plus répandus et les plus téléphonés lorsque l'on parle de ce support. C'est un sujet qui a été vu, revu, étudié, parodié à n'en plus finir. Se sentir perpétuellement obligé de se rappeler ce fait, qui est, soyons honnêtes, douloureusement évident, peut cela dit nous amener à nous poser une question... un peu moins commune. Pourquoi l'animation est-elle parfois considérée comme pour les enfants ? D'où vient cette idée reçue qui a pensé Nicky Larson comme pour les gosses, ou s'est dit que c'était une super idée d'amener ses enfants voir Sausage Party? Animation désigne le terme générique pour donner l'illusion du mouvement. En ce sens, on peut dire que les hommes des cavernes faisaient déjà de l'animation lorsqu'ils peignaient des chevaux en pleine course sur les murs de leur grotte. Le tout premier film d'animation, en revanche, voit le jour en 1906 et il est réalisé par James Stewart Blackton. Il est composé de personnages dessinés à la craie sur une ardoise. Son ambition principale, eh bien, c'était de créer cette illusion du mouvement. Tout l'attrait de ce support reposait sur ce jeu avec le mouvement, cette capacité à changer de forme et se mouvoir d'une façon qui n'est pas physiquement possible pour un corps fait de chair. Les premiers films d'animation ont quelque chose d'absurde, d'inattendu, parce que le but n'était pas de raconter une histoire, le but était de produire un travail sur le mouvement. Et même presque 10 ans plus tard, avec Gertie de Dinosaure, un film qui a eu un succès incroyable, bah c'est vraiment juste, regardez, ces personnages bougent, c'est pas extraordinaire ? Et en ça, j'aime beaucoup les dessins animés du début du XXe siècle. Ils ont quelque chose de très candide, de très enthousiaste. Ils sont une démonstration joyeuse et pleine d'espoir de ce que les progrès techniques et industriels permettaient de faire. Bon, ça c'était avant la Première Guerre mondiale, et qu'on se rende compte que le progrès, ça voulait aussi dire t'envoyer des obus et des gaz toxiques dans la gueule. Mais bon, vers la fin des années 20, cet enthousiasme naïf disparaît. Déjà parce que, bah, c'est la Grande Dépression, les gens crèvent de faim, qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre d'un dinosaure qui danse ? Mais surtout parce que c'est un style qui s'est banalisé et que sa simple existence ne suffit plus à l'enchantement. Quelques longs métrages d'animation ont déjà vu le jour, comme Les Aventures du Prince Ahmed de Lloyd Trainegger, entièrement réalisé en papier découpé et que je ne saurais suffisamment vous recommander. Allez le voir, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce qui permet vraiment l'installation du cinéma d'animation en tant qu'une branche à part de ce médium, eh bien, c'est son industrialisation. La Grande Dépression affectant toutes les sphères et tous les corps de métier, l'intégralité des productions cinématographiques sont ralenties, sauf à, vous l'aurez deviné, Hollywood, qui par miracle n'est pas affecté par la crise. C'est une aubaine pour les studios américains qui peuvent produire massivement, sans vraiment craindre les concurrents européens ou asiatiques.
Encore aujourd'hui, certains historiens du cinéma affirment que si le paysage culturel n'avait pas été affecté de cette façon par la crise, les productions pourraient être très différentes de ce que l'on connaît. L'animation voit naître plusieurs de ses grands noms ainsi que plusieurs de ses grands studios. Et avec l'installation progressive des méthodes de production cinématographique, c'est toute une façon de faire qui se construit. Et comme produire des longs métrages ça coûte cher, et même très cher, et bien il faut s'assurer que ce soit rentable, et donc que ça touche un public large. Il y avait plusieurs techniques pour ça, mais viser une audience familiale était souvent considéré comme peu risqué et particulièrement effectif. Shirley Temple is just as enthralled as are the grown-up stars and moviegoers with the seven fantastic dwarfs. Surtout après la sortie de Blanche-Neige, qui a eu l'effet d'une bombe dans le monde de l'animation. Après son succès ô combien retentissant, Disney s'est imposé comme le modèle de référence, celui que beaucoup de studios essayaient de suivre. Je veux dire, même les longs-métrages nationalistes chinois reprenaient des méthodes disneyesques. Et c'est une pratique qui est restée, si tous les studios ne cherchent pas à être des copies de la grosse souris, beaucoup visent une audience jeune, parce qu'une famille de 5 qui va voir l'âge de glace, eh bien c'est plus rentable qu'un connard d'étudiant en art qui irait voir un film sur Louis Buñuel. Génial. Un super film. J'ai adoré. Mais ça n'a jamais empêché les films sur Louis Buñuel d'exister, et d'essayer d'attirer son public via une technique autre que... Amenez vos enfants, ils fermeront leur gueule pendant 1h30. Utiliser l'humour slapstick, avec toute la démesure que le support animé permet, faire de la propagande nationaliste afin d'obtenir un soutien de l'État, comme a pu faire le Japon, ou être ridiculement sexuel, sont entre autres des techniques qui ont été et sont toujours utilisées. Je vous laisse deviner duquel j'ai envie de parler. Excusez-moi, j'avais chaud. L'utilisation du sexe pour appuyer le statut « mature d'une œuvre » est une pratique assez récurrente. Entre la série d'Horror Spawn, où le sexe explicite y est monnaie courante, le long-métrage Sausage Party, qui joue sur l'ambiguïté entre son animation très proche d'un Pixar et l'ambiance hypersexuelle de l'œuvre, jusqu'à la simple mention de désir et rapport sexuel fait dans des œuvres comme Les Hirondelles de Kaboul, ou J'ai perdu mon corps. Les variations peuvent être aussi multiples que l'animation elle-même, et quand on y pense... C'est logique. Le sexe, plus qu'un phénomène reproductif, est un comportement social avec ses codes et son folklore. Représenter des aptitudes sexuelles à l'écran humanise les personnages et les représente dans une sphère sociale. Mais si l'animation peut être sexuelle, peut-elle en revanche être érotique ? Même au sein d'œuvres comme Sausage Party, où le sexe y occupe une place centrale, la finalité n'est jamais d'attiser un quelconque désir chez le spectateur. Enfin, peut-être que tu as trouvé cette tortilla doublée par Salma Hayek séduisante, mais... Toma la pinche douche de la chingada de mierda, pendejo son of a bitch! Je doute sincèrement que c'était le but. L'on peut s'interroger sur la capacité sensuelle d'une image animée. Peut-on fantasmer sur des corps fictifs? Plus généralement, peut-on fantasmer sur une œuvre d'animation? Et si oui, quelles sont les particularités et les spécificités de cette animation? Eh bien, j'espère que ce sont des questions qui vous intéressent, car c'est ce dont on va parler en long, en large et en travers, durant l'intégralité de cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez aller regarder tout autre contenu qui saura vous satisfaire. Pourquoi pas du porno pour rester dans le thème? Vraiment? Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Pour les autres, accrochez-vous à vos sièges, prenez une tasse de thé, de café ou de whisky, et venez explorer avec moi la fusion étrange qu'est l'animation érotique. Enfin, quand je dis venez l'explorer avec moi, c'est plutôt regardez-moi l'explorer seul, parce que tout a déjà été enregistré et vous n'êtes pas vraiment... Konrad Lorenz, un biologiste autrichien, est le premier à mettre en avant l'existence d'un phénomène appelé hyperstimulus ou stimulus supranormal. Lors d'une expérience effectuée avec des oies, il a été constaté que même en présentant des œufs colorés et atrophiés à l'animal, ceux-ci roulent et couvent les œufs dans leur nid. Des recherches plus avancées expliquent par la suite que ce phénomène peut s'expliquer par une tendance évolutive à l'exagération et une forme d'attraction exercée par la beauté. Il a été révélé par la suite que les humains étaient également, bien qu'à des degrés différents, sensibles à cet hyperstimulus. En d'autres termes, que nous semblons plus répondre à des critères d'esthétisme qu'à de réalisme. Je pourrais prétendre que je me suis sapée de cette manière parce que j'avais chaud, parce que je voulais faire une transition humoristique sur mon sujet, voire que je tente une mise en scène burlesque car c'est une forme de représentation artistique qui me parle. Mais la vraie raison, c'est que je tente désespérément de plaire à ces dames. Je suis tellement seule.
Aussi pathétique que ça soit, cela répond très bien au sujet dont je parle, car je porte ce qui, d'après moi, pourrait plaire aux demoiselles qui regardent cette vidéo. Or, il n'y a rien de naturel dans le port d'un peignoir en dentelle, d'un body à fleurs et d'une lumière tamisée ambiance rétro-wave. Parce que ce qui plaît n'est pas ce qui est réaliste, ce qui plaît est la mise en avant de certaines caractéristiques plus ou moins valorisées en fonction de l'époque. Le prétendu naturel que nous nous plaisons à prétendre apprécier n'existe pas vraiment. Scarlett Johansson n'a pas un physique aussi apprécié naturellement. Elle l'a parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, parce qu'elle fait certaines activités physiques qui lui permettent de sculpter son corps d'une certaine manière, parce qu'elle porte des vêtements qui mettent en avant certains attributs, etc. Et ce phénomène est loin d'être récent, je suis à peu près certaine que les portraits représentant des aristocrates les dépeignent comme bien plus beaux qu'ils ne l'étaient, et on peut déjà voir, dès l'invention de la photo, des tentatives de retouche pour mettre les modèles en valeur. La possibilité d'atteindre une forme d'excitation sexuelle par le biais de représentations très clairement fictives est donc tout à fait possible tant que cette représentation répond à des critères esthétiques. L'histoire de la peinture érotique est très vaste. The first known pornographic artifact is Venus of Willendorf. A small 4-inch statue of a slightly chubby woman with big tits. While they were freezing their asses off during the last ice age, these primitive humans still felt the need to jack off to a tiny naked stone woman. That tells you a lot about mankind. Des fresques retrouvées sur des vases grecs, aux enluminures moyenâgeuses représentant des scènes de bain, en passant par les figures mythologiques de la Renaissance, sans parler des estampes érotiques japonaises du 19e siècle. Vous pourriez me dire que tout ça c'est très bien, mais pas forcément utile comme information. Bien sûr que les gens allaient se pougner sur du dessin si ni la photo ni la vidéo n'avaient encore été inventées. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le maintenant du présent, pourquoi on ferait ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. Peut-être qu'étant informé des conditions de travail déplorables dans lesquelles de nombreux travailleurs et travailleuses du sexe sont forcés d'exercer, contraints d'accepter des pratiques auxquelles jamais ils n'auraient consenti si le milieu n'était pas si exploitant, tu te refuses à y participer et préfères te tourner vers des productions alternatives. Peut-être que tu as trop peur de tomber sur quelqu'un que tu connais et que voir un de tes proches jouer du violon, c'est la dernière chose dont tu aies envie. Mais il est plus probable que tu regardes ce type de contenu car il te plaît. Petit pervers. Mais ne t'en fais pas, t'es loin d'être le seul. Ceci peut en outre expliquer l'existence de tout un pamphlet pornographique du monde de l'animation. Selon les datas fournies par plusieurs sites pour adultes, il a été révélé que l'animation à caractère sexuel est une des catégories les plus appréciées. Bien que ça ne veuille pas dire grand-chose, le hentai génère une quantité massive de trafic. Mais pourquoi ces représentations-là? Pourquoi, quand on a accès à tout le contenu porno possible et imaginable, choisir de regarder des lolis qui se font pécho par des extraterrestres poulpes? Bon, là on arrive à un moment chiant parce que j'ai aucune envie d'intellectualiser mon porno ou de trouver des excuses mal foutues pour expliquer pourquoi quand on me dit Bible Black. Have lunch with me, beautiful girl. Je pense pas à une Bible noire. Si seulement j'avais été ailleurs que sur Pornhub ces 3 derniers mois. Mon cerveau est trop grillé par toute la coke et le vicodine que j'ai sniffé pour avoir autre chose en tête. Ah, et puis qui j'essaie d'impressionner? Je suis une vieille sorcière en confinement permanent depuis 1857. Je disais donc, expliquer le pourquoi du comment du hentai, ça implique d'être capable d'expliquer le fantasme, et est-ce que tu peux expliquer un fantasme? Parce que si c'est le cas, je suis vraiment pas sûre d'être en capacité pour le faire. Bonjour. Je suis Sigmund Freud. Je sais que l'éclairage pourrait vous donner l'impression que je suis juste Daibon avec une pipe. N'est-il pas ironique lorsque l'on connaît son orientation sexuelle? Mais je suis Sigmund Freud. Dans sa définition psychanalytique, le fantasme est la manifestation consciente ou inconsciente d'un désir. Maman, cette production psychique peut reposer sur un scénario construit, comme rentrer dans une boulangerie et se taper la boulangère. J'ai jamais dit que le scénario devait être très compliqué. Ou une situation plus spécifique, comme se faire claquer le cul par un alien à 4 bras. Dans la première situation, ce qui nous intéresse, ce sont toutes les actions qui mènent à l'acte. Comment tu rentres dans la boulangerie, comment tu fais comprendre à la boulangère que tu la veux, les regards que vous vous échangez, les excuses que vous trouvez pour vous absenter. La finalité et le sexe, oui, mais sans toute la mise en scène qu'il y a autour, ça n'a pas grand intérêt. Inversement, dans la seconde situation, ce qui nous intéresse, c'est de nous faire claquer le cul par un alien à 4 bras. Tu ne veux pas vraiment savoir comment il est arrivé là ou s'il t'a payé un verre avant. Non, tu veux juste la trace de ses 4 jolies mimines sur tes petites brioches.
dans la seconde situation, nous savons que c'est un fantasme quasiment irréalisable. Peut-être même que vous n'avez aucune envie de le réaliser. On le sait que c'est pas demain qu'un avis sonnera à notre porte pour nous demander de nous allonger sur ses genoux. Et c'est bien dommage. Le plaisir vient de l'incongru de la situation, de ce qui la différencie du quotidien. Et un alien aux quatre bras, oui, c'est une belle rupture de notre quotidien. L'idée est vraiment de se dire que tout ce que nous ne pourrons jamais avoir dans la réalité ou même dans la pornographie dit classique, ici, nous pouvons l'avoir. Le fantasme, bien entendu, est un champ extrêmement vaste et le limiter aux deux seuls terrains que sont le fantasme imaginé et le fantasme dit réaliste est particulièrement réducteur. Mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je suis un homme occupé. Donc on s'en tiendra à ce bref résumé pour l'instant et à cette différenciation claire entre imaginer ce qui n'arrivera jamais et imaginer ce qui est possible. Parce que c'est là finalement que réside la différence entre pornographie filmée et pornographie dessinée. Même lorsque les aventures de nos personnages animés n'impliquent pas de femmes démons se nourrissant de ton énergie sexuelle, les corps présentés ne correspondent que rarement à des critères réalistes et les scénarios reposent sur un imaginaire fantasmé et codifié. Master Jiraiya? It's easily 106. What is? A 106 centimeters. Les organes sexuels ou la poitrine y sont souvent hypertrophiés, la maigreur ou la musculature des personnages est exagérée et les performances sexuelles spectaculaires. Moi je regarde beaucoup de hentai, de manga érotique, et du coup des fois il y a des trucs, c'est n'importe quoi, et des fois je me dis où c'est limite là, je sais pas où j'en suis. C'est ce que cette pieuvre avec des tentacules en forme de bite m'excite vraiment, je ne sais pas. Le caractère animé de cette pornographie a aussi pour spécificité de ne pas être limité aux contraintes physiques de corps fait de chair. Il permet une représentation sexuelle bien plus extrême et transgressive que pourrait l'être de la pornographie classique. Les sujets traitent régulièrement de tabous sexuels dont le caractère animé permet une distanciation suffisante pour être apprécié sans remise en question sur sa psyché. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais vous demander de vous allonger sur ce canapé pour que je vous parle de votre mère. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je vous parle d'elle et pourquoi est-ce que c'est pénis? Et je sais que nous autres occidentaux, on aime bien dire « Ah ah ah, c'est japonais, trop lol !» Mais vraiment, le succès de ce type de production parle de lui-même. Précédemment, j'ai mentionné Bible Black parce que c'est l'un des plus connus au sein de l'animation pornographique. C'est presque un élément de la pop culture et les mentions qui en sont faites ne sont pas rares. Et pourtant, on parle d'une secte de lycéennes qui vise à ressusciter Satan, et pour ce faire, elles doivent se taper une importante quantité de personnes. Et puis il y a aussi l'infirmière qui veut se réincarner dans le corps d'une jeune fille, c'est pas vraiment clair de si elle y arrive ou pas, t'as aussi des non-agents secrets... Bon, vraiment, c'est un bordel. Et pourtant, on parle d'un des plus connus du genre, d'amour du bizarre, de l'étrange. Cette représentation d'une sexualité qui jamais ne sortira du champ fictif avec absolument toute la démesure qu'elle permet, c'est pour moi le cœur du hentai. Cette distanciation a cela dit des limites. La sexualité débridée et fétichisée de l'animation pornographique repose quasi exclusivement sur un schéma hétérosexuel. Les femmes y sont souvent très jeunes, et leur expérience sexuelle présentée comme allant de soi, indépendamment de leur nombre de partenaires. Les hommes ont une sexualité compulsive, doublée d'une endurance absurde. Côté masculin, les salaires sont faibles, voire inexistants. Hé, après tout, ils prennent leurs pieds, non? Ou pas? Ce qu'ils prennent surtout, ce sont de bonnes doses de médicaments. La finalité y est presque toujours le sexe pénétratif et la jouissance masculine. Cette reproduction d'un schéma de domination, où le désir féminin y est contrôlé, soumis à celui d'un homme, s'inscrit dans une production beaucoup plus stéréotypée, pour ne pas dire misogyne. Si elle peut être tout à fait sympathique, elle ne perdrait pas à se diversifier un peu. Éventuellement, à ne pas reposer sur le viol et la contrainte, c'est trop demander de voir des gens qui seraient heureux d'être là. Oui. Au cours de mes recherches pour cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont avancé que ce que je faisais était contre-productif, dans la mesure où la pornographie ne serait pas de l'art. Mais... vraiment? Dans cette définition la plus standard, l'art désigne une forme de représentation visant à s'adresser aux sens et ou aux émotions. La pornographie rentre tout à fait dans ce cadre. Quels sont les arguments pour ne pas considérer comme artistique une forme de représentation destinée à des fins masturbatoires? Le fait qu'elle ait pour but l'excitation sexuelle? Le fait que filmer des gens, jouer du violon, ça ne soit pas très compliqué? Parce que dans le premier cas, nous jaugeons la morale, qui est très différente en fonction des individus, et dans le second, nous jaugeons la qualité de l'œuvre, pas sa légitimité. Quand votre petite nièce vous offre ses dessins de merde, elle a produit quelque chose dont le but était de susciter une émotion, même si cette émotion était juste « je veux faire plaisir à tonton ». C'est de l'art pété qui finira au fond de votre corbeille, mais de l'art quand même. On attribue le plus souvent à la pornographie une dimension crue, explicite, en opposition à l'érotisme qui lui serait plus fait d'imaginaire.
d'où une pseudo-légitimité. Mais l'animation pornographique repose par essence sur l'imaginaire de ses créateurs. L'art s'arrête-t-il à partir du moment où l'acte sexuel représenté est explicite ? Parce que si c'est le cas, beaucoup de films ne seraient plus considérés comme artistiques, et je n'ai pas envie de vivre dans un monde où la saveur de la pastèque n'est pas considérée comme une œuvre légitime. En revanche, on peut interroger l'existence d'une animation érotique en dehors de cette sphère pornographique. S'éloigner de la sphère pornographique, cela dit, suscite de nouvelles questions. Comment définir ce qui est érotique et ce qui ne l'est pas, une fois distancié des œuvres au caractère plus explicite ? Ne sommes-nous pas dépendants de nos vis-à-vis et fantasmes ? Freud, rends-toi utile. Une première méthode d'analyse pourrait être de s'appuyer sur les intentions des créateurs. Faisais-je partie à pour trame principale une saucisse qui rêve de rentrer dans un pain à hot dog. I've obviously never been in a bun before, so... Hey, I'm not gonna be any better. I've never opened up. I mean, look how tight I am. L'allusion est volontairement graveleuse. Chaque élément y a des caractéristiques sexuelles et le film se conclut sur une orgie échangiste. Si cette trame trouverait sa place au sein de l'animation pornographique, l'intention de ses créateurs fait toute la différence. Ce film n'a aucune vocation érotique, il vise plutôt l'humour par l'absurde, avec une animation très proche des longs-métrages familiaux, et les intentions des personnages. Dans un genre totalement différent, Perfect Blue de Satoshi Kon nous montre du sexe explicite à plusieurs reprises. Chacune de ces scènes a une finalité différente. La scène de sexe simulée par Mima durant un tournage sert à appuyer son désir d'être prise au sérieux en tant que comédienne. Lorsqu'elle échappe à une tentative de viol, celle-ci sert des intentions horrifiques. Enfin, les nombreuses scènes de nudité visent à humaniser le personnage. Aucune de ces situations ne possède de dimension érotique, le sexe y est banalisé, au service de la trame narrative. Sausage Party et Perfect Blue sont très différents, le style, l'animation, les intentions, tout est très discordant, mais les deux se retrouvent dans leur désir de sexualiser des personnages sans les érotiser. Une œuvre sexuelle n'est pas nécessairement érotique, et inversement, l'érotisme n'implique pas nécessairement de sexe explicite. Betty Boop, un personnage culte du monde de l'animation, a quelque chose d'obscène. Cette image de la femme-enfant très courbétue, presque inconsciente de l'effet qu'elle fait aux hommes autour d'elle. Let me see your license. What's your name? Betty Boop. What do you do? Boop boop bidoop. Pourtant, je mets ma main à couper que cette représentation sulfureuse serait moindre si les métrages qui la représentaient traitaient ces sujets de façon plus explicite. Mais ce pouvoir de l'intention est extrêmement limité en vérité. D'après Roland Barthès et ses premières théories sur le structuralisme, l'intention de l'auteur n'a pas vraiment d'importance. Car le sens d'une œuvre et la façon dont elle est reçue dépendent avant tout du public qui l'aperçoit. Si des auteurs de l'Antiquité grecque étaient transportés à notre époque, peu importe leur intention, nous ne serions pas capables de recevoir leurs œuvres de la façon dont ils l'ont entendue. Pour reprendre l'exemple de Betty Boop, c'est un personnage qui était pensé comme un fantasme masculin. Celui d'une pin-up sexy dont la nunucherie est attendrissante. Mais c'est un personnage qui a été reçu comme une icône féministe. Celle du premier personnage féminin ayant eu son propre cartoon, libéré et peu soucieuse des conventions. En ce sens, beaucoup de personnages et de figures de l'animation peuvent avoir une dimension érotique sans que ça ait été les intentions des auteurs, y compris au sein de notre studio family-friendly préféré. L'on peut constater une forme de sexualisation des personnages issus de l'animation grand public. Les très populaires héroïnes Disney correspondent quasiment toutes à des archétypes idéalisés de la féminité. Bien que majoritairement destinées à un public jeune, leur chara-design met fortement en avant des caractéristiques sexuées. Comme des poitrines généreuses, des hanches apparentes, et plus généralement, des mimiques et petites moues évocatrices. L'on peut citer comme exemple les plus évidents la petite sirène, où Ariel sortant de l'eau n'est pas sans rappeler la figure de la pin-up, symbole érotique par excellence. Ou encore le personnage d'Elsa dans La Reine des Neiges, dont la libération est lourdement appuyée par des déhanchés et moues sexy. Ce qui n'est pas un problème, hein. Au contraire, le contraste entre une Elsa col remontée, presque étouffée dans son uniforme, et une Elsa libre, en possession de ses mouvements et son corps, est particulièrement effective pour appuyer sa libération. Y'a personne, je suis toute seule, je vais pouvoir me balader à poil. Mais est-ce que faire de leurs personnages phares des icônes sensuelles faisait partie des intentions des dessinateurs et auteurs qui les ont créés? C'est une affaire entre eux et leur subconscient. Mon cabinet est ouvert de 10h à 18h s'ils veulent en parler.
Ces interprétations sont cependant restreintes de par les conventions de l'animation grand public. Les caractéristiques sexuées des personnages cités à l'instant peuvent également s'inscrire dans des représentations stéréotypées propres à l'animation. Une habitude relativement notable dans l'animation occidentale contemporaine est d'exagérer fortement les différences de carrure entre personnages féminins et masculins. Mérida dans Rebelle, bien que moins sexualisée que d'autres héroïnes Disney, n'échappe pas à cet archétype. Les corps de ces personnages féminins de l'animation, au-delà d'une dimension érotique, semblent surtout reproduire jusqu'à l'absurde d'énormes genrés. Les hommes sont forts, grands et puissants, et les femmes sont frêles et fragiles, et ce, indépendamment de leur activité. Ce personnage est musclé comme un taureau alors qu'il est chirurgien. Qu'est-ce qui justifie une carrure pareille? Je serais surpris de la carrure que ça demande de scier une jambe. En ce sens, un personnage comme Jessica Rabbit, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, est à la fois la personnification de toutes ces problématiques, comme sa parodie. Son invraisemblable plastique et son hypersexualisation contrastent avec une attitude hautement morale et un relatif désintérêt pour les hommes. I'm not bad. I'm just drawn that way. Mais même dans ce cas spécifique, il est difficile de ne pas associer l'érotisme à la représentation d'un schéma hétérosexuel représentant des corps féminins idéalisés. Et c'est pas moi qui vais me plaindre de voir de jolies filles à l'écran, elles sont ma seule compagnie avec mon dealer. Mais, et croyez-moi, ça me fait mal de l'admettre, la plupart des femmes sont hétérosexuelles. Je sais, moi non plus je comprends pas. Un érotisme qui reposerait sur un schéma plus large, ne tournant pas perpétuellement autour de « regarder comment elle est trop bonne », ce serait sympa. Une forme de transgression de cette habitude pourrait résider dans le body horror, sous-genre du film d'horreur qui représente les transformations grotesques et absurdes des corps. Né dans les années 70, début 80, et inspiré de topics tels que le traumatisme nucléaire ou la crise du sida. Yay! Le body horror exploite la peur du corps et de la chair. L'horreur en elle-même possède un potentiel érotique qui repose sur l'interdit, le danger. Les vampires, symbole érotique par excellence, jouent sur cette sexualité mortifère. Être mordu par un vampire implique la dissolution de soi, un don de sa personne dans le sens le plus littéral. Bataille dans érotisme écrit, il y a dans le passage de l'état normal au désir une fascination fondamentale pour la mort. Wicked City de Yoshiaki Kawajiri en est sans doute le meilleur exemple. Les possibilités propres à l'animation permettent de représenter des centaines de corps jouant sur cette ambiguïté entre vivant et mort, entre humains et monstrueux. Dans une réalité alternative, les humains cohabitent avec des ghouls, créatures aussi sensuelles que meurtrières et grotesques. Le long métrage joue sur la sexualité dangereuse de ces femmes à demi-insectes qui aspirent la vie de ceux qu'elles séduisent. Conscience qu'avoir des relations sexuelles avec elles implique la mort, mais le plaisir est tellement grand qu'ils y vont quand même. Comme s'ils étaient pris d'une pulsion incontrôlable, comme s'ils se jetaient dans les bras d'une mante religieuse qui leur pouffera la tête une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut d'eux. Au moins j'ai baisé. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Si le gore ainsi que la violence y sont exploités à l'extrême, l'intégralité du film baigne dans une ambiance érotique, sorte de merveilleux noir, où les corps absurdes servent une expérience sensorielle. Les corps y accueillent tous une forme de violence amoureuse ou meurtrière. Ici, le sexe y implique une fracture du corps. Eros et Thanatos, tout le bordel. La franchise érotique au gore n'est pas propre au cinéma d'animation, et en vérité, même les franchises populaires du cinéma horrifique baignent d'une certaine façon dans le stupre et la lubricité. Vendredi 13, Halloween, les griffes de la nuit, toutes font appel à cette sexualité semi-dangereuse qu'on regarde parce qu'on aime bien avoir mal. Oui, mère, continuez! Et c'est cette personne qui diagnostiquait notre santé mentale? Le caractère animé de Wicked City est ce qui lui donne toute sa force. Si l'érotique au gore est une franchise qui a longtemps été exploitée en jouant sur sa valeur choc, c'est un nid à série B avec des scénarios absurdes et des acteurs aux petits oignons.
Il peut parfois en sortir des choses intéressantes, comme Tetsuo de Shinya Tsukamoto, qui a réalisé son film sans budget, en fouillant dans les déchetteries et en stop motion. Mais la plupart du temps, c'est assez médiocre quand ce n'est pas juste grossier et obscène pour le simple plaisir d'être grossier et obscène. Comme la dernière orgie du Troisième Reich, dont le plot est globalement... Hey, tu veux voir des soldats nazis violer et torturer des meufs pendant 1h30 ? Et... non. Et je peux pardonner à un film d'être grossier et obscène s'il a un quelconque message ou une substance qui me donnerait envie de le voir. Mais ce n'est pas le cas ici, même sur le plan purement érotique, c'est juste mauvais, c'est pire que mauvais, c'est absolument atroce. Et j'ai regardé Necrophilia. C'est d'ailleurs un défaut assez récurrent de l'érotico-gore, il est pas si érotique que ça. Et en même temps, c'est extrêmement compliqué de l'être. Il s'agit presque toujours d'histoires dramatiques qui reposent sur la torture et la douleur d'individus victimes de violences et ou de brutalité. C'est naturel, et je dirais même sain, de ne pas être à l'aise devant le visage tuméfié d'Anna dans Martyr. Et quand ce n'est pas le cas, c'est assez facile de sombrer dans la vallée dérangeante avec des personnages plus ridicules que sensuels. Mais la suspension de crédulité n'est pas la même face à une œuvre animée. Nous n'avons pas à nous poser la question de si un personnage est réaliste ou non, et la dépiction d'une forme de monstruosité peut être représentée de mille et une façons, sans aucune restriction d'espace, de moyens ou de budget. Ce qui permet à des femmes araignées tissant des toiles par leur vagin, ou des succubes capables de fondre avec leur proie, de maintenir cette espèce de sexualité dangereuse. Car, au-delà de la transgression des corps, le potentiel érotique de l'animation ne peut-il pas résider dans les caractéristiques propres à ce médium ? Les possibilités de l'animation étant infinies, un corps peut adopter n'importe quelle forme. Les mouvements ne sont pas limités au lieu de la gravité, que rien n'oblige à se soumettre à une quelconque forme de réalisme. Des animateurs comme Ryan Larkin ont utilisé des concepts a priori simples, comme la marche, pour y exploiter au mieux les possibilités de l'animation. The Walking ou Street Music utilise des formes abstraites et des associations de couleurs, de mouvements, qui se métamorphosent au gré de la musique dans un souci d'harmonie plus que de continuité. Cette approche expérimentale de l'animation est particulièrement manifeste dans le cadre de l'érotisme. Celle-ci excelle à représenter la variété d'émotions qui peuvent traverser un individu durant une expérience sexuelle ou sensuelle. L'animation offre la possibilité aux formes de se muter, se changer d'une façon qui n'est pas physiquement possible pour un corps fait de chair. Futon de Yoriko Mizurishi est un court-métrage d'animation qui alterne entre une femme se roulant dans son matelas et une paire de lèvres sans visage. Son approche avant tout sensorielle retranscrit de manière abstraite la douceur du réveil et éventuellement la masturbation. L'auteur décrit son œuvre comme sensuelle au sens tactile. Le but est d'éveiller nos sens par la métaphore visuelle. Nous sommes dans la représentation sensorielle, une forme d'esthétique principalement théorisée par Suzanne Montang. Elle parle d'imagination phonographique ou de palpabilité de l'érotisme. Si son travail parle quasi exclusivement de la photographie, je ne pense pas qu'il soit absurde d'appliquer un mode de lecture semblable à l'animation. Sa théorie est qu'il ne suffit pas de montrer un morceau de corps pour qu'il soit érotique. Pour toutes les femmes qui me regardent, combien de fois avez-vous reçu des photos de dick pics et combien de fois avez-vous trouvé ça sexy ? Au-delà du fait qu'elles sont souvent envoyées par de parfaits inconnus à qui on n'avait rien demandé, il n'y a rien de sensuel dans la photo mal cadrée d'une tub gorgée de sang. Elles sont impersonnelles et elles sont froides. En revanche, si à la place d'une dick pic on reçoit un corps entier, corps qui se mouvrait, se cambrerait d'une certaine manière, mettant éventuellement en avant certaines marques que vous lui avez laissées la veille, le potentiel érotique risque d'être un chouille plus fort. La démarche est globalement la même avec Futon. Les mouvements, la musique, le style d'animation lent et épuré, tout vise à nous faire ressentir, ou du moins imaginer des sensations. Comme si, nous aussi, on était enveloppés dans une couverture moelleuse. Comme si, nous aussi, on plantait notre fourchette dans un sushi ou qu'on léchait une part de gâteau à la crème. Et je ne sais pas si c'est que moi, mais quand je réfléchis aux scènes que j'ai trouvées les plus érotiques dans le cinéma, cette idée de la sensualité tactile a une place majeure. Je pense aux retrouvailles entre Oscar et Linda dans Into the Void, et globalement la moitié de leur interaction. Ils sont frères et sœurs, j'ai un problème.
Tu veux en parler ? Non ! Et c'est impossible que la démarche n'ait pas été volontaire de la part de Gaspard Noé. Il y a plusieurs scènes de sexe relativement explicites, mais elles ont toutes un aspect distancié, presque cauchemardesque. Comme si on était des extraterrestres qui regardaient une espèce inconnue jouer du violon avec un regard quasi scientifique. Mais quand Linda et Oscar se parlent, se touchent, c'est comme s'il n'y avait plus qu'eux sur cette terre. Et ce désir difficilement contenu, je pourrais presque sentir la morsure de Linda sur mon oreille. Ugh. Pareil pour Under the Skin, où une jeune femme, littéralement extraterrestre, regarde les hommes d'une manière froide. Adam est le premier à lui faire ressentir quelque chose d'humain, un quelque chose qui repose sur un contact physique, une attention particulière portée sur la chaleur et la texture de la peau. Et sans aller chercher si loin, dans Les Locataires, un de mes films préférés de Kim Ki-duk, les protagonistes tombent amoureux sans jamais s'adresser la parole. Dès lors, toute leur attraction repose sur un langage corporel et des interactions tactiles. Pour revenir au sujet de l'animation, qui, rappelons-le, est le sujet de cet épisode, cette forme de représentation existe également au sein d'œuvres plus narratives et moins psychédéliques comme The Woman Case de Naïs Cora, où le sexe y est souvent accompagné de vapeurs de fumée de cigarettes formant des patterns abstraits qui se marient avec les mouvements des personnages. Plus que l'acte sexuel, c'est l'expérience que l'on cherche à retranscrire. Vibrato de Sébastien Lunderbach a une approche similaire. Différents recoins du château se succèdent, rythmés par des gémissements et chants d'opéra. Laissé à l'imagination du spectateur et à cet évoquant mélange de pourpre et de gris. Pas que cette notion de la palpabilité n'existe pas au sein d'œuvres plus explicites. Elle explique même très bien le succès de certaines œuvres en opposition à d'autres. La pornographie 3D par exemple peine à trouver un public, déjà parce que au-delà de la laideur récurrente des personnages, tout fait très plastique, on a l'impression d'être face à des poupées gonflables qui ne se touchent pas vraiment. Un problème moins récurrent avec la 2D. Et pour reparler de notre Bible noire préférée, je pense qu'on peut justifier son succès par la qualité de son animation et de son sound design. Le frottement des vêtements que l'on retire, la façon dont une poitrine rebondit, la façon dont des corps réagissent à tel ou tel stimulus, y compris des invocations satanistes visant à te faire pousser un double pénis. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Je me sens tellement sale, je veux pas imaginer ce que ce sera quand la drogue aura quitté mon organisme. Pour résumer, l'animation érotique est aussi variée que l'animation peut l'être. La récente popularisation de l'animation pour adultes tend à se confondre avec celle-ci. Or il n'en est rien, Fritz the Cat, Sausage Party, ou plus récemment Pipoudou and the Super Fuck Friends, n'ont pas de finalité masturbatoire ou même sensorielle. Ce sont des œuvres qui jouent sur le contraste d'une image animée, trop souvent associée au monde de l'enfance et le comportement sulfureux de ses personnages. Inversement, les dessins animés les plus consensuels ne sont pas exempts d'érotisme. Des héroïnes grand public à l'animation pornographique en passant par l'animation sensuelle, il est difficile de limiter l'érotisme au simple acte sexuel. L'animation confère une liberté de représentation qui permet à la fois de donner vie aux situations sexuelles les plus spectaculaires et idéalisées, tout comme les approches les plus abstraites et interprétatives. Il n'en reste que trop souvent, ces animations se limitent à des codes de genre très classiques, pensés par et pour une démographie masculine. Les expériences faites à travers le body horror ou le psychédélisme permettent une forme de subversion, où le plaisir ne réside pas dans l'acte sexuel frontal ou les designs caricaturaux, mais dans la stimulation des sens et l'invitation d'une participation active du spectateur. Mais au-delà de cette dichotomie qui peut facilement sombrer dans l'élitisme de la branlette... Pfff, je ne me branle que sur de l'animation allemande des années 30. Que l'on regarde une loli de 17 ans qui chevauche un mecha, ou une œuvre d'animation réalisée avec une quantité massive d'acide, il y a de fortes chances que ce qui nous parle, c'est l'aspect palpable de la chose. Et si l'animation expérimentale me semble objectivement plus intéressante, elle est plus créative et exploite mieux son support, de une, les artistes d'animation pornographique ne sont pas des tâcherons sans technique ni vision, et de deux, ben, vos fantasmes, ils en ont un peu rien à faire, que vous soyez objectif ou pas. Passons outre le fait que je trouve cette idée de la critique objective assez absurde, on a tous nos biais et on est forcément influencés. On ne peut pas nécessairement expliquer pourquoi est-ce qu'on aime certaines choses plus que d'autres. Je ne peux pas rationnellement expliquer pourquoi je suis à ce point attirée par les femmes aux cheveux courts avec un air blasé. Est-ce que dans mes DM si tu te reconnais? On peut toujours essayer. À quoi ressemble votre mère? Donc, à la question, l'animation peut-elle être érotique? La réponse est oui, à bien des égards. Comme dit plus tôt, elle est aussi variée que l'animation peut l'être. Pour finir cet épisode dans la joie et la bonne humeur, et vous donner l'impression que vous n'avez pas passé 40 minutes à regarder une weirdo en peignoir vous parler de hentai avec Sigmund Freud... Maman...
je vais vous suggérer un long métrage d'animation. En plus, ça me permettra d'ajouter une gommette de culture de plus à ma veste. Belladonna of Sadness de Eishi Yamamoto. Le film nous raconte les déboires d'une jeune femme qui, après avoir été abusée par un riche seigneur et ne pouvant se marier avec son amour faute d'argent, fait un pacte avec le diable qui fait d'elle une sorcière, aussi envoûtante que sensuelle. J'aime ce film car il me fait oublier que je suis la seule sorcière survivante sur cette planète avec rien d'autre à faire que contempler sa propre solitude. Mais aussi parce qu'il est magnifique. Le moindre dessin suinte l'érotisme, comme si elle avait conscience qu'on la regardait et nous demandait de tomber dans ses griffes. Si vous voulez vous chauffer un peu, il y a de fortes chances que vous trouviez votre compte. Si, comme moi, vous n'êtes pas capable de passer plus de 20 minutes sobre, ne vous en faites pas, c'est pas nécessaire pour ce film. Et si vous aimez l'animation, je doute très sincèrement que ça ne vous plaise pas. C'était le Labo de la Sorcière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Avant de te sauver. Salut, je suis Delphine du futur, en contre-jour et avec des lunettes. Tout d'abord, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle aura demandé un temps de travail assez conséquent. Si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, tu peux laisser un commentaire et t'abonner, je réponds à toutes les questions. Tu peux aussi aller me voir sur Twitter ou sur Instagram, où j'aime bien poster des photos ridiculement over the top. Et je viens aussi d'ouvrir un Discord si jamais tu as envie d'y faire un tour. Sur ce, je te dis à la prochaine.